Salut, salut, nous voici pour des nouvelles parties de World of Tanks commentées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu technique. Donc ce qui va être le sujet des deux vidéos que je vais vous présenter, qui sont deux vidéos avec deux chars différents, mais vous montrer que là, le sujet, donc la lecture de minimap est fortement important. Et c'est ce qui peut retourner une game, dans le sens où en lisant la minimap et en regardant ce qui se passe, ça permet de se positionner à un bon endroit et ainsi faire pencher la balance, peut-être, à sa faveur, notamment pour la victoire et voire même plus de choses. Donc on va commencer sur Step. Donc Step, en général, des lourds qui s'affrontent ici, de plus en plus de chars qui viennent ici, donc souvent ici c'est les médiums et quelques lourds, les TD qui campent un peu dans ces secteurs là, les artis ici et ici. En face ça va être pareil, hein, des TD qui campent ici, et de la même façon des lourds qui partent de chaque côté. Donc là je suis top tier, on peut voir que Wargaming nous donne gagnant à 60%, soit. Je suis top tier, donc face à du 7. On voit qu'en face il y a des chars fortement intéressants et dangereux, notamment le T29 et le Comet. D'ailleurs le Comet fait partie des bons joueurs. Chez nous on a deux bons joueurs aussi, donc le T43 et moi quand on regarde les stats, mais bon ça on s'en fiche. Ensuite ça reste des joueurs assez moyens, vous voyez, un peu partout, notamment dans les top tiers, donc je dirais que c'est assez équilibré. Et ce qui va faire pencher la balance de Wargaming, en fait, c'est tout simplement mon char, le Oni, qui est une bête, pas bête de course, mais une bête de défense. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc moi, avec le Oni, quand je suis sur Step, j'étais en train de me poser la question, est-ce que j'allais à droite? Et non, je me suis dit, je vais aller à gauche, parce qu'à gauche, je me place ici, vous voyez, en G1. Et ça permet d'empêcher l'ennemi d'avancer, tout en étant protégé et de l'arty, et des shoots parce qu'il y a un gros rocher. Donc c'est parti, et en même temps, donc là le T25AT qui bouge pas ses fesses, donc il m'oblige à le pousser un petit peu pour que je puisse passer, parce que le luxe aussi me gênait. Donc voilà, donc comme j'ai un char qui est très lent, le Oni c'est un char lent, par contre c'est pour moi un vrai lourd, c'est vraiment un plaisir à jouer, hein. Dès le tier 7 là vous avez vraiment un char qui bloque les tirs, qui a un canon qui fait le job, 10 secondes de reload, 390 de moyenne de pénétration. Et là voilà ce que je vous disais, vous voyez, on voit trois lourds qui passent au milieu, on voit l'IS qui est en haut, donc là bon spot de la part de la MXUST et du E25. Donc je me dis T29 de KV1, bon ok, on va voir ce qui se passe. Donc je continue un petit peu, on va voir s'il s'arrête ou s'il continue à progresser. Donc de mon côté il y a le UI, le KV1, BDR, Black Prince, donc on est nombreux. Donc là je me dis ok, je vois en plus un Churchill, je me dis bon bah là je vais faire demi-tour. Voilà, ils ont progressé, et je fais demi-tour, et je vais défendre la base. Donc les joueurs adverses en me voyant après, peut-être qu'ils vont se dire bah le Oni en fait il a campé, mais non, j'étais en train de partir d'un autre côté, donc vous voyez comme quoi des fois on interprète à la mauvaise façon. On voit le Comet qui est parti de l'autre côté, et là les lourds qui progressent. Donc comme je suis lent, bah j'anticipe et je vais me placer. Donc là je vais essayer de mettre un shoot de hauteur histoire de sauver un petit peu le T25. Le E25, pardon, pas le T25. Donc ça va être compliqué. Donc là voilà, j'ai le rocher qui me gêne. Donc là je suis mal placé. Donc je vais me replacer ailleurs. Là je sers à rien, je peux pas les défendre. Donc c'est mort. Donc voilà, il faut que je bouge. J'avais décidé de pas bouger tout de suite. Là vous voyez, en regardant la vidéo, je vais bouger déjà. Je l'ai pas fait. Et voilà, Black Prince à gauche, donc Black Prince il est tout seul. Et en fait on s'aperçoit que j'ai bien fait de pas bouger, parce que vous voyez le Cromwell que je loupe, il est quand même très très loin. Donc
on va essayer de sauver l'ennemi 12 T, j'y crois pas trop. Là je vois le T29 qui s'amène, et voilà, j'ai réussi à sauver l'ennemi 12 T, qui nous a fait du bon spot, donc c'était la moindre des choses. Par contre, voilà, j'ai bougé peut-être trop tôt parce qu'il y avait le T37 à shooter, mais là je vais me placer en défense de base, parce que vous voyez on est mené 2 à 6, hein, clairement on est en train de perdre, et là vous avez tous les lourds qui se ramènent. Il reste encore un SU-122-44 qui n'a pas été spot, donc ça c'est derrière. Donc voilà, je me mets, je suis un petit peu à l'abri de l'arty en fonction de là où elle sera. Donc là il s'est anglé au dernier moment. J'ai pas réagi assez vite, j'étais prêt à cliquer, mon cerveau disait clique et j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Donc là, hop, je suis gêné par le rocher, donc je me replace. Je change de cible, le T29 il était anglé, ça servait à rien de lui tirer dessus. Et là je me positionne. J'ai 175 de pénétration à l'avant, et anglais je peux monter facilement à 200 voire 220, ce qui fait que vous voyez tout bounce. Donc là je vois le T37, je me focalise sur le T37 parce que lui s'il vient me flanquer il va me faire la misère et j'aurai du mal à le shooter. Donc est-ce que je vais réussir à sauver notre T25 AT qui est dans la misère? Non, j'ai pas réussi, puis je le sors, donc ça, voilà. Donc vous voyez, lecture de minimap et tout de suite prise de décision en fonction des chars. Donc là le petit KV1 de flanc, je cherche à lui mettre le feu, ça n'a pas marché. Là vous voyez le KV85 en haut. Donc le T29 est passé à la gold, c'est tout à fait légitime on va dire, pour pouvoir me percer. Par contre, voilà, il n'en balancera qu'une seule. Et petit à petit on revient au score. Puis, je boom 5 AV1, ça c'est fort, bien anglais. Quand je visais la trappe. Le deuxième ça passe, le KV85 qui se sauve et va se positionner histoire de bien jouer de sa part, hein. Il a bien analysé le truc et il se dit bah je vais pas rester face à lui, je vais essayer de passer sur le côté. Donc bien joué, mais voilà je l'ai vu faire. Et là mon tir qui passe au-dessus. Et là voilà, je suis pas assez anglais pour le KV85, ce qui fait qu'il arrive à m'en rentrer une. Et là maintenant que je suis anglais, ça ne passe plus comme il voudrait. Un petit œil à gauche pour voir ce qui se passe. Et là petit à petit on revient, tout en moi je suis juste là pour bloquer. Voilà, je bloque les chars, ils avancent plus, ce qui fait qu'ils peuvent pas prendre la base. Ils sont un peu coincés, ils auraient dû me rush, hein. Ça quand on joue en équipe ou en platoon de clan, on dit ben on le rush, hein, quitte à sacrifier un ou deux chars. Donc quand on joue tout seul, ben, on a du mal à le faire. Ce qui fait que ben, c'est tout bénef pour moi. J'en profite. Voilà, j'en casse les coups. Ça me fait du bien. Allez-y les gars, tirez-moi dessus. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est vraiment un char, un vrai lourd. Il encaisse. Donc aux ennemis d'être malins pour venir me déloger. S'ils le sont pas, ben ça rentrera pas. Voilà. Donc là j'ai attendu un petit peu. Réticule fermé, j'attends encore un petit peu. J'ai remarqué qu'en faisant ça, ben, les tirs deviennent beaucoup plus précis. Le fameux RNG là. Vous devez avoir l'algorithme qui tourne, qui se recalibre. Là j'ai rebondi sur le bout de la tourelle. Voilà, il reste plus que deux chars, donc vous voyez on a bien retourné la situation. Donc là le KV85 il ne fera plus grand chose. Par contre le SU-122, lui c'est un char dangereux, donc je vais aider mes camarades qui sont en mauvaise posture. Donc là je réticule. Ah, je mets une petite derrière, je visais le moteur, donc je sais pas si je voulais faire le moteur après. Là je souhaite juste qu'il se barre pas. Voilà.
Voilà, ça c'est what, en plein dans le mille, là vous avez vu, je suis quand même en train de viser l'arrière du char, quoi. Donc là, 6 kills, il reste plus que le KV-85, qui se fait sortir bien gentiment. Et donc la partie est gagnée. Donc vous avez vu qu'en lisant la minimap, ben, on arrive à se positionner au bon endroit, ce qui fait que ben, l'ennemi n'a pas pu poursuivre son plan. Donc dans les résultats de la bataille, ben, je fais l'as du char, j'ai 3418 de dégâts, ce qui me vaut la médaille guerrier, ça c'est tête froide je crois, la médaille gros calibre. Ce qui va être intéressant, c'est l'analyse de la dernière image, donc sur les tirs 25, 18 qui rentrent, 14 qui percent, donc il y a quand même du déchet, hein, mais j'étais, je l'ai fait à pas mal de distance, et surtout regardez, ces dégâts bloqués par le blindage qui me vaut le mur d'acier, et les tirs 38 tirs reçus, juste seulement, j'ai envie de dire seulement 2 qui rentrent. Donc vous voyez, dès l'instant où on se positionne bien, on angle bien son char, donc sur le Oni, c'est les flancs qui sont fragiles, donc vous avez vu que les flancs, bah, je les ai protégés. Ce qui fait que, voilà. Et au niveau de l'XP, c'était mon x5 pour l'armistice, donc quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà passé, je pense. Mais du coup, ça me rapporte 10 510 XP, et j'ai fait en plus une mission qui m'a valu de gagner 2000 XP supplémentaires sur ce char. Donc maintenant, on va passer à la deuxième bataille. Donc voici la deuxième qui va se passer sur Percée Fulgurante, et vous pouvez voir que là, on va la jouer Scout. Donc Scout qui dit Scout dit mobilité, dit repositionnement, et ainsi de suite. Donc sur Percée Fulgurante, très bon point de scout de ce côté-là ou au milieu, sachant que maintenant les parties, ce qu'on observe le plus, c'est que maintenant il y a beaucoup moins de gens qui vont là, mais par contre il y en a beaucoup qui vont ici se friter sur l'île, et souvent quand ça passe, bah, la partie est perdue. Donc on va voir ce que ça dit. Là le matchmaking nous donne à 50% gagnant, on a l'avantage d'un lourd. On va faire une petite pause. Par contre, nous, on a un TD supplémentaire, ce qui fait la différence. Et puis, ils ont plus de mobilité aussi en face. Voilà, plus de médium en fait. En même temps, quand je regarde les top tiers, tier 9, par rapport au nôtre, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Nous, on a du blindage. Par contre, eux, ils ont la qualité de joueur avec des chars qui font très très mal. Hein. Donc le 50 aussi qui est assez bien blindé, donc qui fait pas le poids face à un E75, mais bon. Et ensuite, ça reste du joueur moyen un petit peu partout. Donc ça va être un peu délicat. Donc moi, je vais déjà me positionner en E1 en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne. Donc je fonce avec T54 léger, qui est un char assez sympathique, hein, très rapide, assez furtif. Je vais pas en dire plus, hein. Il y a des vidéos que j'ai postées avant qui donnent plus d'explications, et voilà, donc là c'est pas le but de la partie, c'est de vous montrer la lecture de minimap. Donc c'est parti, on voit que pas mal de mon équipe suit derrière pour profiter du spot, donc là je ne suis pas détecté, je ne vois personne, donc je vais me placer bien gentiment dans le petit buisson qui va bien, et ce petit buisson nous permet, hop, je passe en vue extérieure, voilà. Donc me permet de spotter ici et de spotter tout ce qui arriverait dans ce coin-là. Donc ça donne une super information. Donc buisson connu maintenant, hein, on se fait ouvrir en tier 10, pas forcément une bonne place parce que ça blinde de partout. Donc là, juste on attend que notre équipe derrière se place, donc on voit qu'on a une masse d'équipes. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez l'île où ça frite le plus maintenant, bah nous on a personne, on a juste un petit KV-13 si je ne me trompe pas, l'IS-6 qui est en snipe derrière, Churchill là, bon eux ils sont bien positionnés, hein, c'est une bonne place, on n'a pas d'arty, donc l'IS-3 il est nickel là. Voilà, là je spot le 13-90.
vérifier. Donc quand vous êtes comme ça en spot, bah, on évite de tirer très très peu. Parce que là je suis camouflé, personne ne me verra, tant qu'ils sont pas très proches. Par contre si je tire et qu'ils sont à l'intérieur de ce cercle, vous voyez, comme le 50, bah, là je risque de me faire des têtes. Donc je ne vais surtout pas tirer. Voilà, je demande à l'équipe de tirer le 50. Donc il se prend un tir. Derrière, ils sont trop loin. Donc eux, ils auraient dû avancer un peu. Par contre, le 1390, lui, il faut qu'il mange. Parce que c'est les yeux de l'équipe adverse. Donc si on arrive à le sortir, ça fera un poids soulagé. Donc voilà. Donc là, allez l'équipe, il faut le sortir. Donc là, coup critique. Vous avez vu, il a rien vu. Les tirs qui fusent. Ah, ça y est, il commence à se prendre des shoots. Et il est sorti par le T30, donc c'est nickel. Donc là, je vois le E75 qui vient à côté de moi. Le KV4, vous avez pu voir que je me stoppais de se mettre un petit peu derrière. Donc là, je ne sers plus à rien. Par contre, si vous avez observé la minimap, chose que je faisais quand j'étais en train de jouer, j'ai vu qu'ici, bah, c'est passé. Donc ils sont en train de progresser. Donc là je suis en train de me dire ok, il va falloir donner du spot, parce que si les deux disparaissent là, on n'aura plus de visuel. Et voilà, je suis parti. Une grosse partie de l'équipe adverse qui est... Donc là, je roule bien au milieu pour voir s'il y a quelqu'un là. Voilà. Donc là, la Lorraine qui est venue spotter au milieu comme moi. Là, le 50 qui spot. Le Waffen Trigger, lui par contre, il va se mettre à la boue du boucher. On soulage notre équipe. Donc là je me focalise sur le tir 9. Char très dangereux, donc j'ai pas de HE, c'est dommage. Allez, je vais tenter au blind. C'est pas passé. Par contre là maintenant je suis spot, donc je bouge. Hop. Allez, c'est parti. Un petit chou. Deux fois que ça passe sur le 50, il a essayé de me tirer. Il n'a pas réussi. Et là, je vois que, toujours la lecture de minimap, on voit qu'ici, ils ont pris le secteur. Donc moi, je vais prendre une position avancée pour spot. Regardez, les petits buissons qui vont bien. Voilà. Et juste en défilement de tourelle. Et là, tous ceux qui passeront le... Ils peuvent passer que ici, en fait, ce secteur-là. Ici il y a des wagons, donc personne ne peut passer, donc il faut spotter ici. Et c'est ce que je fais. Pendant ce temps-là, l'IS-3 il est en prise avec T69 Tigre 2, on va voir s'il s'en sort bien. Il fait partie, c'est un bon joueur, donc on va voir s'il arrive à gérer. Ça risque d'être quand même compliqué. Il est soutenu, donc ça va. Allez, le chéri, on va essayer de le coller une. Donc là, on plein dans le mur, dans un chéri. Ah, voilà, c'est le lot quotidien du week-end en ce moment sur le route. Rien qui passe. Et voilà, j'ai spoté les ennemis qui arrivent en face. Donc là, je ne tire pas sur le T34. Je garde mes obus. Donc la Lorraine, ça je vais percer facilement. Donc si je peux, je mets quand même une petite. Voilà. Vous voyez, ce char est quand même assez précis. Hein. C'est vraiment un bon médium. Un bon léger, pardon. C'est pas un médium. Donc là, le manque là, ça ne perce pas. Vous voyez, mes obus vont pratiquement dans le milieu. Hein. Là où je vise. Donc là, ça rentre.
Je suis pas détecte, vous voyez. Pouvoir de camouflage de char. Assez sympathique. J'aurais bien voulu sortir la lorraine. Et là, ça arrive derrière. Donc, je tire parce qu'il y a pas mal de buissons. Je détecte. Je me mets à l'abri des chars. Vous avez vu, hein. Je sais qu'il y a des chars là, donc je me mets à l'abri. J'attends de disparaître. Et voilà, là je suis disparu. Donc je reviens me mettre dans le petit buisson. Donc, pas tout à fait le même. Voilà, ça y est, je reviens. Et là, ce qui me kikine, c'est le 50 là qui est là. Avec le Waffenträger qui risque d'avancer. Donc, là, je suis en train de me dire, ok, je vais peut-être aller les chercher. Donc le style, yes, toi, il reste gentiment derrière le rocher, à l'abri, tout à fait normal, qui nous mène au score de un char. Et vous avez vu, leurs bons joueurs sont toujours là. Chez nous, on a perdu notre IS-3 et notre KV-4. Donc j'ai préparé une gold pour le 50. Je me dis, si le premier tir ne passe pas, le deuxième passera. Et c'est parti. Là, je vais essayer de le déloger. Nickel. Ils ont pas eu besoin de moi. Par contre, je vais faire du spot et me replacer. En fait, dans mon idée, c'est venir me placer dans ce secteur-là. Et là, oh, surprise. Oh là là. Le Waffenträger qui était planqué. J'arrive le plus rapide. Donc, j'arrive à le sortir. Il me fait le pilote que je soigne. Je me fais oublier un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Et là, l'IS-3 a décidé de rush. Donc là, la Lorraine qui respawn. Je finis par la sortir. Le Star. On va s'en occuper aussi. Je suis toujours à la gold. En fait, j'étais pris dans le feu de l'action. Et j'aurais peut-être dû... Hop, il m'a vu. Il tire à la range. Le RHM qui m'emmène sévère. Qui fait le moteur en même temps. Je répare. Et là, je suis en slip. C'est le cas de le dire. Par contre, je sais que le RHM, il est dans ce secteur-là. Vous voyez, le tir est venu. Voilà, là où ça pop. Donc je vais pas à l'affrontement frontal, légèrement sur le côté. Et là vous voyez, en repositionnement, lecture de minimum, fait qu'on a réussi à défendre malgré qu'on était bien mené quand même. Donc l'équipe a bien suivi, il n'y a pas un, a pas un qui est parti bêtement la fleur au fusil, proche 5 ou 6 chars comme on voit ça souvent. Ils se sont dit, ok, il y a un scout, il fait le boulot. Donc on va en profiter et on va bosser ensemble. Et c'est ce qui se passe. Et du coup la partie se passe à merveille et ça devient super intéressant de jouer dans ces conditions-là. Donc là j'attends tout simplement que mon équipe se positionne. J'ai peut-être trop attendu, du coup ils m'ont spoté avant moi. Je vois qu'il me vise, hop, je bouge. RHM a un char qui est très furtif. Le T-54, le Stuart T-1000 qui sont tout près, ils n'arrivent pas à le détecter.
Et voilà, il est spot et détruit, et la partie se finit sur une sympathique victoire qui me vaut, ben, comme la partie précédente, la maîtrise, mais c'est pas le plus. Voilà, c'était pas le but de la vidéo, c'était de vous montrer la lecture de minimap, la médaille patrouille, et on va analyser les résultats. Donc au score, ben, je suis pas trop mal, vous voyez, j'ai tiré, donc par contre je suis top XP, et voilà, ce qui est intéressant, c'est bon, le tir, bon, on n'en parle pas, 2200 dégâts. Par contre, voilà, ces dégâts infligés grâce à mon aide, 6194, donc en fait j'ai permis à l'équipe de shooter sur des chars sans qu'ils soient vus. C'était également mon x5 comme la partie précédente, donc ça rapporte beaucoup d'XP. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, salut.